Hey, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se rejoint pour finir notre installation de notre cluster Kubernetes. Donc, la fois précédente, nous en étions, donc on avait deux machines qu'on avait instanciées avec Vagrant. Donc, c'était Vagrant. Je vous rappelle que ça utilise VirtualBox, c'est un moyen d'avoir un fichier de configuration qui va instancier des machines préconfigurées à partir de ce fichier. Donc là, on a une machine qu'on appelle CubeMaster, une autre CubeNode. On a une IP pour chacune. Donc la première ici, elle a cette IP. Elle a la 192, 168, 56, 101. Et l'autre, hop, elle a la 102. Du coup, voilà. On a installé dessus, dans nos prérequis, Docker. Donc si on fait un Docker PS, voilà. Hop là, Docker PS. Voilà, donc on a Docker, on a kubectl, kubelet et kubeadm qui fonctionnent. Donc maintenant, on n'a plus qu'à poursuivre notre installation Kubernetes. Donc pour ça, on va initialiser notre master et ensuite, on va faire rejoindre notre nœud au master. Donc pour initialiser pardon, le master, on a une commande à lancer avec kubeadm init, dans lequel on va dire, voilà, la machine, tu vas la connaître dans ce réseau de cette manière-ci, donc par cette IP. Et en l'occurrence, notre master, on a dit que c'était la 56.101, donc on va ajouter 56.101 ici. Et dans les autres éléments qu'on ajoute à cette ligne, on ajoute le nom du node. Donc là, c'est assez simple, on va reprendre le hostname, la variable d'environnement hostname. Donc on va prendre le dollar grand hostname et ensuite, dedans, on va définir, ça va être valable pour le réseau interne à Kubernetes, le range que va pouvoir utiliser K8S pour attribuer des IP au sein de son réseau. Donc ça, hop, voilà, on le colle ici. Alors, bon, on va utiliser aussi un autre outil qui s'appelle Flannel, donc pour la gestion du réseau interne à K8S. Ça va engendrer des petites modifications, on va le voir tout à l'heure si c'est nécessaire. Donc on lance notre kubeadm, pardon. Donc là c'est parti. Alors, hop. Donc là normalement il va pouler des images qui vont être nécessaires pour instancier, pour rendre opérationnel le cluster Kubernetes. Donc nous, ensuite, dans les étapes suivantes, ce qu'on va avoir à réaliser, on va le regarder ensemble. Donc on va créer un fichier de configuration qui va nous permettre de travailler notamment avec kubectl. Donc kubectl, il s'appuie sur un fichier de configuration pour savoir quel est le cluster sur lequel il travaille et pouvoir avoir les droits nécessaires sur celui-ci et les accès. Et ensuite, on va mettre en place notre réseau interne. Donc moi j'ai fait le choix de Flannel, qui est un outil qui est souvent utilisé quand on veut faire des tests perso sur un cluster Kubernetes. Il y a d'autres réseaux, d'autres systèmes de réseau qui sont meilleurs. Alors le système de réseau, les principes, c'est simple, c'est généralement un système de pods, donc de conteneurs Docker qui sont déployés sur chacune des machines du cluster et qui vont permettre au cluster de communiquer entre les machines. Donc il y a d'autres systèmes comme Calico, comme Wave et encore d'autres. Flannel étant grosso modo un petit peu le moins bien de l'ensemble. Voilà. Alors où est-ce qu'on en est? Hop. Donc il est toujours en train de faire son pool a priori, comme j'ai pas un gros réseau. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Donc on va faire quelques petites modifications au niveau de nos machines pour que Kubernetes puisse mettre en place son bridge et gérer l'IP table comme il faut. Ensuite, on va lancer les pods. Donc ça, on verra plus tard dans le détail comment on lance des pods. Mais en gros, on va faire un déploiement de notre réseau Flannel à partir d'un fichier de conf qui est en ligne. Et puis derrière, on ira tout simplement peut-être modifier, on verra l'état de notre cluster, modifier le fichier de configuration de nos pods.
Parce que Flannel, voilà, quand on est en installation locale comme ça, on peut avoir des difficultés, notamment pour le dashboard. Donc on va peut-être changer l'IP, on verra combien d'attribuer quand on a instancié notre réseau. Et derrière, on ira checker l'état de notre système. On fera rejoindre donc avec un cube ADM join qui va être généré par notre init qui est en train de se faire ici. Donc ça avance pas très vite. Voilà. Donc on récupérera notre commande qu'on va lancer cette fois-ci non plus sur le master mais sur le node. Donc on aura des tokens qui vont être générés, donc il faut bien utiliser ces tokens. Ils ont une période de validité, donc il faut les utiliser vraiment quand il faut, quoi, dans la période requise. Et puis derrière, on ira checker pour voir si notre node a bien rejoint notre master et si on a bien un cluster qui est up. Alors, effectivement, donc vous voyez dans les détails ici, donc on a bien fait un cube ADM sur notre master. Et dans les détails, il nous indique que voilà, il pull les images nécessaires pour le cluster, pour configurer le cluster Kubernetes. Et il nous dit voilà, ça peut prendre 1 à 2 minutes. À mon avis, ça va prendre un peu plus de temps. Ça fait déjà sûrement plus de 2 minutes que c'est passé. Et ça dépend de notre connexion internet. Et comme la mienne n'est pas terrible, forcément, ça va pas très vite. Ok. Là, c'est bizarre, d'habitude on a peut-être une barre de défilement, mais là pour l'instant j'ai rien du tout. Donc si on veut regarder dans le détail ensuite les vidéos suivantes, hop là. Donc vous avez tous ces éléments, toutes les présentations dans la description, dans les vidéos suivantes qu'on aura. Donc si on regarde un petit peu dans le détail, on a. Donc on a, nous on en est rendu à la cinquième ici, donc c'est l'installation du cluster. On va voir ensuite la mise en place du dashboard, mais honnêtement le dashboard n'est pas forcément un élément nécessaire pour faire fonctionner Kubernetes, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont à faire en ligne de commande. L'avantage de la ligne de commande, c'est que vous allez pouvoir passer des scripts. Ah, ça y est, c'est parti, donc il reste, il nous dit que ça peut prendre encore quelques minutes, donc on va rester dessus. Quoi, on va passer ici. Ensuite, on va voir quelques petites astuces. Donc des add-ons qui sont notamment l'autocomplétion, qui est très 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 utile au niveau de Kubernetes pour faire des commandes kubectl. Parce que vous allez voir kubectl, il y en a vraiment de toutes sortes. On a vu déjà avec Docker qu'il y avait beaucoup d'éléments, mais avec Kubernetes, il y en a aussi pas mal. Vous pouvez aussi dans le dépôt qui est dans la présentation, retrouver aussi les fichiers Vagrant, le fichier Vagrant File qui permet de lancer les machines en question. Dans la 8e vidéo, on verra le lancement d'un shell interactif avec comme on le fait avec Docker, mais on le verra avec kubectl tout simplement. On lancera notre premier pod à la 9e vidéo. Ce sera tout simplement un service Nginx, vraiment le truc basico-basique qu'on avait déjà fait avec Docker, mais ça permet de retrouver un petit peu ses marques par rapport à des choses qu'on connaît. Dans une 10e vidéo, on verra déjà le scaling, mais par la ligne de commande. Donc là, au début, on fera tout par la ligne de commande, ce qui est franchement pas recommandé, puisque c'est un petit peu comme sur Docker, quand on fait des runs, bah, petit à petit, on s'aperçoit que bah, la ligne de commande s'allonge, devient de plus en plus complexe, et la meilleure manière de la gérer, c'est par des fichiers de configuration. On verra les informations qu'on peut collecter par différentes commandes kubectl. Donc ça c'est assez intéressant. En 11e vidéo, en 12e vidéo, on va commencer à rentrer dans les fichiers de configuration de déploiement par les fichiers YAML. Alors où est-ce qu'il en est? Voilà. Donc là on a fini au niveau de notre cube master. Donc, comme je vous disais, on a ici généré un token. À côté, qu'est-ce qu'on a? Il nous dit voilà, pour commencer à utiliser le cluster, il faut passer ces commandes. Donc celle que je vous ai mis également dans la présentation, donc on va les passer. Hop, donc amkdir-p, donc il crée tout simplement un point cube dans la home. Donc moi je suis route, voilà, dans la home de route.
Ensuite, il fait un copier-coller dans dans ce point cube d'un fichier config qui est dans un fichier d'admin de conf de kvitesse. Et on fait des modifications de droit dessus. Voilà, toc toc, voilà. Alors on verra, ça c'est des éléments qui sont pratiques à réutiliser, notamment quand on veut faire du kubectl à distance. Donc on a un cluster qui est sur d'autres machines et on a une machine personnelle, une machine d'admin qui veut se connecter pour passer des commandes kubectl. Ça va être là aussi qu'on va pouvoir utiliser ces éléments-là. Donc on va retourner quand même à notre présentation. Hop, on en est à la cinquième. Voilà. Alors, on va essayer de rattraper un petit peu notre retard. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à lancer donc notre commande pour reconfigurer la possibilité de gérer son réseau à Kubernetes. Donc voilà, ça on le fait ici. On va le faire aussi sur le node. Donc c'est fait. Ensuite, on va alors que je me trompe pas dans l'ordre. Hop, voilà. Donc, on va lancer notre installation de notre réseau ici. On va se le faire par morceaux parce que je suis pas convaincu que ça marche bien en copier-coller directement. Hop, donc ici, ok. Ensuite, cette partie-ci. Et ensuite, cet élément-là. Voilà. Donc là, c'est un fichier qui est disponible en ligne, hein, tout simplement. Un fichier YAML de configuration du réseau Flanel. Donc là, on lance un apply. Donc là, vous voyez qu'il a bien créé. Alors, on verra l'aspect daemon set. Donc, il a créé un réseau. Donc, si on se met ici, on va recopier cette ligne de commande. Donc, c'est un kubectl qui va permettre de lister les pods, donc un get pods, sur tous les types de namespace. On reverra le principe de namespace. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Inconnu flag. Ok. Donc, c'est étonnant. On va se remettre all namespaces. Ok. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre réseau Flanel qui fonctionne. On a tout un tas d'éléments qui permettent le bon fonctionnement de Kubernetes. Donc un ensemble de pods et tout ça, vous voyez que ça tourne ici au niveau du Kube Master. Donc on a des pods qui gèrent du DNS interne. Donc c'est de là. On a un pod qui permet le stockage de configuration avec etcd. On reverra ces éléments, cet aspect d'architecture de Kubernetes, on le reverra aussi. Ensuite, on a un serveur API, donc un élément qui permet de gérer l'API Kubernetes à travers KubeMaster. Un contrôleur, notre réseau via Flanel, en fait, le proxy et un scheduler. Ok. Donc ça, c'est bon. On a dit que derrière, nous, on va peut-être faire notre modification du coup pour être certain que ça fonctionne au niveau du dashboard. Donc on va aller éditer notre configuration en ligne de notre Flanel. Hop, ici. Et dedans, on va aller modifier. Hop, donc je crois que c'était vers la fin. Non, c'est ici, voilà. Donc ici, on est en réseau. Alors nous, on est en. On va le mettre en 10, 10, 0, 16. Ok. Hop. Donc là, c'est la partie un petit peu plus galère parfois au niveau de l'installation. Parce que les réseaux, c'est vraiment le cœur de Kubernetes. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, bah, ça fonctionne vraiment pas bien.
Donc là, il a relancé le pod. Normalement, il l'a réinstancié comme il faut. Ok. Donc là, si on regarde à l'heure actuelle, donc si on fait un ici, hop, un cube CTL get nodes, donc j'ai bien un cube master, quoi, un master qui est up et qui s'appelle cube master et il existe depuis 7 minutes. Ok, c'est cool. Maintenant, on va rejoindre, on va faire en sorte que notre machine, qui est le node, puisse rejoindre. Hop, okay. Voilà, donc on va reprendre notre token ici. Et on va le lancer, tout simplement, comme on le fait avec Docker Swarm sur notre node. Donc là, c'est parti, il va rejoindre, notre node va rejoindre le master à travers son token. Donc là, si je fais un get node, donc là, pour l'instant, il n'est pas ready. Ok, pourquoi? Donc là, il est en train de créer, vous voyez, les éléments qui vont permettre de... Donc il va doubler les éléments nécessaires sur l'autre nœud. Donc les pods en question, le proxy par exemple, et puis notamment le réseau Flanel. Donc là, il va faire le nécessaire, ça va peut-être demander un petit peu de temps. Ok. Bon, ça demande un petit peu de temps. Ah, il est passé, vous voyez, celui-ci est passé à running. Ok. Et là, on attend le flanel ici, qui est au stade init. Ok. Décidément, c'est qui met du temps. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, si ça dure trop longtemps. Ah, bah voilà. Donc là, il est au mode running. Vous voyez, ici, le flanel. Hop. Voilà, donc on a tous nos nœuds, quoi, tous nos pods, pardon, qui sont en mode running, donc ça veut dire que normalement on a un cluster qui est up. Donc si je relance, ben on va se remettre comme ça, si je relance un get node, vous voyez que l'état a changé. Donc vous voyez qu'on est déjà dépendant de Kubernetes. Alors, dès l'installation, il y a ce principe qui est essentiel de se dire, je demande à Kubernetes un état final. Et c'est lui qui gère l'état des pods, etc. Et vous n'avez pas la main pour dire je le veux tout de suite maintenant. Vous voyez qu'on a été dépendant des pods de réseau, donc qui sont des conteneurs. Donc derrière, si je fais des Docker PS, donc là c'est pas le bon exemple avec ce zoom, mais vous voyez qu'on n'avait rien tout à l'heure, et là on a tout un tas de conteneurs qui ont été lancés, hein, au niveau de Docker. Et qui sont les corps DNS qu'on voit, donc tous les pods qu'on voit, on va retrouver les flanelles, etc. au niveau de Docker, voilà, flanelle ici. Donc ça, on l'a au niveau du cube master, et on en a aussi, donc si je fais un Docker PS, hop, on en a beaucoup moins, bien sûr, hein, au niveau du node. Hop, on va se dézoomer un petit peu. On en a beaucoup moins, on a simplement notre flanelle, notre proxy. Un autre proxy également, et puis on a un autre flanel. Donc c'est après, bon, c'est vraiment un pod, comme on l'a déjà évoqué, un pod peut être constitué de plusieurs conteneurs. Donc vous voyez, c'est en l'occurrence c'est le cas. Voilà, donc voilà pour cette installation aujourd'hui. On verra, donc on va poursuivre dans les prochaines vidéos. La mise, quoi, se mettre à l'aise avec ce cluster, et puis commencer à découvrir, s'initier vraiment au déploiement de conteneurs par Kvitesse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.